Et tu t'en rends compte, hein, tout le monde en parle. Ouais, c'est digne d'un film Marvel, quoi. Il y a les méchants d'un côté, et puis de l'autre côté, t'as les gentils qui essaient de les empêcher de faire péter leurs bombes, quoi. Puis tu crois que les rebelles, ils vont arrêter les tarés? J'aimerais bien, j'en sais rien. Après, moi, là, tu vois, j'ai conscience du danger, donc c'est pour ça que je m'équipe un peu comme Flo et toi. Mais c'est un peu dur de réaliser ce qui se passe vraiment. C'est dur d'y croire que ça se passe pour de vrai, quoi. Ouais, c'est dur de se projeter dans le futur. Ouais, tu l'as dit. Regarde, c'est tout bête. Depuis la fin de mes études, j'avais pour projet d'aller en Amérique du Sud. Mais là, vu comment c'est la merde en ce moment, c'est impossible, c'est trop risqué. Je peux pas prendre le risque d'y aller, hein. Bon, d'après les infos, c'est pareil de rester en France, hein. Sauf si tu t'enfermes. T'as trouvé ton masque, d'ailleurs ? J'en ai trouvé un sur un site de revente de pays. Donc, j'espère pas, mais si jamais ça pète, je te suis équipé, ça y est. Du coup, si ça pète, récap du protocole. Premièrement, on s'isole. Dans les 20 minutes. Ensuite, tu calfeutres toutes les ouvertures, les fenêtres. Ensuite, la radio pour tenir au courant. T'en as une ? Ouais, j'en ai mis une dans mon sous-sol. Ok, super. Puis si c'est la merde, tu te débrouilles pour venir chez nous, puis on se barre. Hein. Ouais. Si on n'est pas tous morts instantanément juste avant. Bon. Tu travailles demain ? Rien. Mais à l'occasion, faudrait qu'on se revoie avec Flo. Et pourquoi pas se jouer un petit morceau, un peu de musique. Menace nucléaire sur le territoire français. Quoi ? Mettez-vous à l'abri dans un bâtiment clos. Calfeutrez toutes fenêtres et aérations. N'allez pas chercher vos enfants à l'école. Limitez vos communications téléphoniques. Tenez-vous informé des directives officielles sur les fréquences radio nationales. Ceci n'est pas un exercice. Message d'alerte à la population. Menace nucléaire. Ils ne veulent que la terreur, puisqu'ils
qu'ils ne veulent que la terreur, nous enfermer pour qu'on ait peur. Donner notre temps, offrir nos vies, puisque c'est fini l'abondance. Puisque c'est fini l'abondance, fini la bamboche, plus une chance. Ça fait longtemps que c'est fini, ils l'ont voulu. Que notre société s'effondre, mais nous les enfants des décombres, on va chanter. Chers auditeurs, comme à chaque heure pile, voici les dernières informations et recommandations. Voilà maintenant 12 jours que la France subit les retombées radioactives de l'attaque balistique qui a frappé Bruxelles. Malgré quelques coupures locales, les services d'approvisionnement en énergie sont maintenus. Il en est de même pour les réseaux téléphoniques. Le ministère de la Santé recommande d'éviter de consommer l'eau courante, privilégier l'eau en bouteille. Hélas, Internet reste inaccessible pour le moment, en raison de nombreuses pannes survenues dans les centres de données. Les secours et les forces armées ont commencé l'évacuation des citoyens dans certaines zones et appellent chacun à rester confiné jusqu'à leur arrivée. On écoute à présent Oval Skylight, qui vont nous aider à rester positifs face à ces temps de crise. Maintenant. Ah!
Putain! Prends ta douche. T'as pas du tard. Florence, elle est là. Florence, t'as entendu? Il y a Alice qui est là. Ouais, je prépare des vêtements. Quand elle est rentrée, elle avait pas de masque. Je comprends pas, je lui ai tout bien dit. Elle a bien fait la combinaison, elle a bien fait le scotch, mais putain, elle avait pas son masque quand elle est arrivée. T'as fait son maximum pour lui expliquer. Mais bon, c'est Alice, tu la connais. Elle a dû oublier. Mais comment tu peux oublier un truc comme ça? Bon, on avait regardé avec le compteur Gégère, les taux étaient quand même pas mal descendus. On a jeté la combi, faut aussi jeter ses vêtements. Bah, je pense que ça va aller. On va se détendre, faire de la musique, et puis on lui reparle demain. Ah, merci. Tu te sens? Là, je t'avoue, j'ai la fatigue qui retombe, mais franchement, je suis avec vous, quoi. Ça fait tellement plaisir de te revoir, je suis tellement content. Ça fait trop longtemps. Je te propose une petite jam? Je vais pas te dire non. Allez, petite dernière avant de partir. Ça marche. Je te sers en verre. Ah, super, merci. Bon, on trinque. À la vôtre. Parti. 1, 2, 3, 4 et... Thank you.
Aujourd'hui, nous avons relevé que plus de 30% de la surface émergée de la Terre est soumise à un indice de valeur 10. C'est-à-dire que dans ces zones, aucune espèce organique ne peut survivre. La radioactivité attaque directement les tissus et les organes, causant de graves lésions pouvant entraîner la mort dans l'heure. Merci pour ces précisions, professeur. Mais qu'en est-il alors de ces zones contaminées? Où se situent-elles sur la planète? Et concernant les retombées radioactives, aussi appelées pluie noire, la France est-elle menacée par ces retombées? Eh bien, selon les informations communiquées par le gouvernement, les multiples attaques balistiques sont de provenance diverse. Elles avaient pour cible plusieurs capitales européennes. La réponse des membres de l'OTAN a été immédiate en ciblant les pays d'origine de ces zones. Si bien que seuls les États-Unis, les Pacifiques et les pôles semblent être épargnés de cette pandémie. En France, la partie nord du pays est très fortement contaminée par la frappe qui a touché Bruxelles. La météo semble par contre très anormale. Nous sommes en train de l'abri de tomber. On est loin de revenir à une situation respirable comme aux États-Unis. On s'attend d'ailleurs à de fortes masses migratoires vers ces destinations qui risquent d'être très peu.